tard dans la nuit, ça flambe au casino. Dans l'enfer des mises, le cliquetis des jetons et le crissement des nerfs, les cœurs battent à se rompre les soirs où Citroën lance des bancos vertigineuses aux marais de jazz enturbanés et où les Dolly Sisters, innocemment, font sauter la banque. Passe, impair, manque, faites vos jeux. L'aventurier des palaces, torpédo gagé et créanciers au basque, tente une dernière fois sa chance. Passe impair et manque, rien ne va plus. Et demain, une fois encore, sur la grève glaciale, la marée descendante laissera parmi les goémons un cadavre en smoking. Mais aujourd'hui, c'est dimanche. Rendez-vous était pris à la gare de Lyon. Elle est maudite de son état. Lui, avec quelques rentes. Une petite chevaux qui gaze, une poule assez chouette. La journée s'annonce bien. En route vers Nogent. Nogent, Eldorado du dimanche cher à Marcel Carnet, paradis poétique de l'accordéon, des frites, des amours de la petite semaine, et d'une allégresse populaire qui, en 1925, ne devait rien encore à une littérature de convention. S'achève, il faudra ranger sagement les fleurs du souvenir et desserrer les mains qui s'étreignent. À dimanche prochain, peut-être. Non, dimanche, on va à Colombes. Des trains impériaux bondés déversent sur les stades la grande foule ardente des matchs internationaux. Foule de 1925, fébrile et innombrable, coléreuse et enthousiaste, foule électrique des premiers temps modernes. On se presse pour applaudir Nurmi, le Finlandais à la foulée magique. S'écrase au Veldiv pour le spectacle populaire et mondain des six jours. Avec Dranem, le roi du Cafcons, les auditeurs sportifs connaissent l'attente fiévreuse des résultats. Francis Pélissier vient de gagner la course Bordeaux-Paris. Soulevé par une énorme popularité, les idoles du cyclisme marquent de leur gloire et de leur souffrance la grande épopée des années 20. Le Tour de France est parti. Reine du tennis, Suzanne Lenglen, en présence de la famille royale d'Angleterre, joue contre Gustave de Suède. Mais régulièrement, depuis 6 ans, elle remporte la Coupe du Simple Dame à Wimbledon. La silhouette et le style Lenglen font fureur. Le 8 septembre 1927, une nouvelle stupéfie le monde sportif. La France remporte la Coupe Davis.
C'est le triomphe de Borotra, Cochet, Lacoste. Les trois mousquetaires accèdent tout à coup à la célébrité. En ces années glorieuses, le public découvre des étoiles de première grandeur. Jules Ladoumègue, recordman mondial du 1500 mètres. Charles Rigoulot, l'homme le plus fort du monde. Criqui, le pâle belvillois, champion du monde des poids plumes en 1923. Jack Dempsey, vainqueur du match du siècle qui fit trembler l'Amérique et la France. Et surtout, Georges Carpentier. Malgré sa défaite de 1921, il est au sommet de sa popularité. Cependant, un homme monte sur le ring et relève le gant. Maurice Chevalier. Désert du Kafkonce au chant glorieux du muscle, la douloureuse rançon de la célébrité ouvre une route semée d'étoiles. Mais le patrimoine national s'est enrichi d'une silhouette désormais légendaire. C'est l'époque des grands succès. Chevalier chante Valentine, Mistinguette lui répond en murmurant « Mon homme ». Miss, enfant chéri de Paris qui lui pardonne ses extravagances, arbore à présent une tenue qui fait fureur, le costume en vaut mort-né. Après 1925, le musical a définitivement conquis droit de cité, détrônant à jamais le vieux Kafkonce essoufflé. Dans les temples nouveaux ruisselants de lumière, dans l'éclat des strass et le froissement des plumes, des déesses provocantes et des sirènes sans écailles allument une curieuse flamme dans le regard des messieurs solitaires. L'équivoque ambiance des promes noires règne alors sur la nuit de Paris. La revue à grand spectacle triomphe lorsqu'en 1925, la bombe Joséphine Baker explose au théâtre des Champs-Élysées qui affiche la revue nègre. C'est l'époque également où le Casino de Paris devient une valeur sûre et où Cécile Sorel, inlassablement, commence à descendre des escaliers monumentaux. Jaillit du creuset brûlant de ses années de fièvre, les gloires, les vocations, les talents et les mythes se fondent et se forgent dans l'enfer nocturne des métropoles géantes. Au fronton majestueux des cinémas cathédrales, scintillent les rêves délirants du star system, noms et visages de légendes qui font rire ou pleurer dans la communion mystérieuse des salles obscures. Harold Lloyd. Fatty. Jackie Cogan, le Kid. Ivan Moujoukine, l'inoubliable Michel Strogoff. Rudolf Valentino, Dieu incarné. À 31 ans, il est au sommet de la gloire. Et brusquement, un grand silence angoissé s'abat sur Broadway. Rudolf Valentino meurt en 1926, foudroyé par une péritonite. L'émeute du désespoir gronde dans le centre de New York. Terrassée par la douleur, couverte de crêpes noires, Paula Negri dirige ostensiblement le deuil. 90 000 femmes en larmes défileront devant le corps de Valentino, des centaines s'évanouiront, plusieurs se suicideront, emportant pieusement l'image de celui qui sut être l'incomparable Cheik.
Au champ lyrique du monde moderne, le cinéma, encore muet, apporte sa fantastique vision déformante. Travelling, panoramique, la caméra bouge, vole, plonge et se redresse. Tandis que Brigitte Helm et Alcover tournaient l'argent sous la direction de Marcel L'Herbier, une machinerie énorme se met en mouvement. Le cinéma, art et industrie, emporte le spectateur dans des mouvements vertigineux, lui impose des perspectives déconcertantes. Sous des praticables immenses, dans des décors éphémères et gigantesques, du caméraman audacieux de Leicester déchaîné, tout obéit au metteur en scène, magicien prestigieux du 7e art. L'œil impassible de la caméra scrute aussi un monde fait à sa mesure, violent et souvent puéril. Un univers factice et périlleux fait frémir les adultes et réjouit les enfants. Mais durant les années 20, une race d'hommes audacieux s'est créée, celle des chasseurs d'images, des pesages élégants aux lointains confins de la Sibérie, des incendies d'entrepôts qui dévastent les villes, au brasier des révolutions, les reporters sont partout. Au Groenland, pour surprendre Amundsen, à Cherbourg, lorsque Charcot, à la barre d'un trois-mâts digne de Jules Verne, part vers la dernière aventure, au Havre, quand Alain Gerbaud, las de courir les mers attachés à la barre du Firecrest, revient, brisé, à bout de force, pour connaître la gloire. Coiffé du feutre à large bord, vêtu de l'ample raglan, ils étaient là, ces historiens des temps nouveaux, lorsque Funk, décollant de la côte américaine pour franchir l'Atlantique, écrase son bimoteur sur le terrain de départ. Funk, heureusement, sortira sain et sauf de l'accident. Ils étaient là, lorsque Pelletier d'Oisy, le célèbre pivolo, rapprochant les continents, s'élançait pour le raid Paris-Tokyo. Ils étaient là encore lorsque Ningesser, pour la première fois le 6 mai 1927, tente avec Colly la traversée de l'Atlantique d'est en ouest. Dans l'aube incertaine, l'oiseau blanc roule longuement sur l'herbe. Décolle lentement, s'élève, prend la direction de l'ouest et se perd pour toujours. Les héros disparus entrent dans la légende d'une époque marquée par la magie de l'aventure et la fascination de l'évasion. Mais souvent, le rêve se désagrège dans la nuit opaque d'un port sinistre, d'où les acteurs misérables d'un éternel opéra de quatre sous ne partiront jamais. La voix bouleversante de Damien domine cet univers réaliste et désespéré, cher à Macorlan et à Carco. Ne connaissant d'autres soucis que de figurer pour autrui la rose de la sorte, je vieillis.